Allez, salut à tous les amis, c'est Learn2Play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Civilization 5 en compagnie de Yanamu, wouhou! Bonjour à tous les amis, donc c'est Yanamu, bienvenue pour ce 14e épisode de Civilization 5 en compagnie de Learn2Play. Oui, c'est moi-même. Ouais, c'est lui-même, voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire, ce n'est que lui. Non, ce n'est pas un Sunmi. Non, je déconne. Pardon. Non, mais je rigole. Eh, bien sûr. Bon, nous en étions à la conquête des Mayas. Nous étions en train d'essayer d'attaquer Uxmal. Exactement. Moi, de mon côté, je suis en train de me faire laminer par les Japonais qui sont arrivés, qui m'ont pris la ville de Kork. Attends, je vais faire un petit point de vue. T'es où? Tu es où? En bas, à Kork. Ah oui, Kork, ouais. Les Japonais ont... Mais c'est la révolte, d'ailleurs. Ah non, ville fantoche. Ah oui, c'est quoi déjà une ville fantoche? Ils ont fait une ville fantoche. Ça veut dire que c'est une... qui ne leur apporte pas de malheur et qui ne leur apporte que du bonheur. Sérieux? Que les ressources, quoi. Ça leur apporte que les ressources. Ici, ça leur apporte le cuivre et les chevaux, mettons. Ah oui, et toi, tu gardes le malheur? Non, eux, ils gardent... Il y a que deux habitants et je pense qu'ils ont un de malheur pour deux habitants. Ils ont rien, quoi. D'accord. Mais c'est bien, alors, les villes fantoches, au final. Bah non, c'est pas bien parce que ça te prive de toute progression dans ces villes. Ah oui, tu peux rien construire. Voilà, tu peux rien construire, en fait, ouais. Si, c'est intéressant, mais sur les grosses villes, comme une capitale, par exemple. Ou par exemple, tu bénéficies pas des merveilles. Genre Uxmal par exemple. Tu bénéficies pas des quoi? Des marées? Merveilles. Des marées? Des merveilles. Ah ok. Je t'ai des marées quoi? Oh. Tu parles de la mer là? Bon. Quel quoi boulet, qu'il en mec. Soit. Bon, oui, il est délégué. Attendez, alors j'ai pas vu. Donc embargo Indonésie, ouais, bannière ressources de luxe crap, tu vas te faire voir. Organisateur. Moi j'ai mis Ah oui, ça c'est vrai, j'avais oublié. Bon, j'ai mis trois noms au crabe. Ouais. J'ai mis trois noms au crabe parce que j'ai du crabe sur Glasgow et ça me ferait une ressource de luxe en moins. Mais c'est surtout que tu m'en... Non, je sais pas si on échange ensemble du crabe. Je sais pas, c'est possible. Je ne sais plus. Bon, engager les délégués. Ça c'est fait, voilà. Un camp barbare, ouais, ça on s'en fout, ouais, gna. Tour suivant. Allez, tour suivant. Ah. Bon, eh bien écoutez, on va essayer d'avancer le plus vite possible. On va pas faire les guignolos. Enfin, si, mais je veux dire que, bon, va falloir qu'on s'arme, parce que... Je veux pas dire, mais on est quasiment au 21e siècle. Je vais avoir mon premier bombardier de la Grande Guerre, c'est-à-dire un biplan. Pareil. Bon, on n'est pas très avancé technologiquement, quoi. Non, on n'est pas du tout avancé technologiquement. Tout ça, c'est de la faute de Yanamu, de toute façon. Et en plus, j'ai regardé au classement, il est au-dessus, quoi. Je comprends pas pourquoi. Oui. Je ne comprends pas pourquoi. Ceci n'est pas normal. À cause des merveilles. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, parce que niveau merveille, moi je. Non, je ne suis pas du tout. Hein. Moi je suis à la ramasse, c'est le cas de le dire. J'en ai 4 ou 5. Ouais, tu vois. Bon, ce qui est bien, c'est que du coup, je vais pouvoir me servir de mes bombardiers pour aller défoncer Suho. Enfin, les Japonais, pour ceux qui ne se souviennent plus. Tout à fait, ça a fait un remake d'Hiroshiwa. D'Hiroshima ou de Nagasaki, si tu veux. Bref. Hiroshima. Hein. Ah d'ailleurs, je suis allé voir Godzilla. C'était fun. C'était fun. Bon, goût de merde, spotted. Il faut... Non, le nouveau. Enfin, je veux dire, bon, effectivement, ce film n'est pas très élevé. Ouh là là. N'est pas très élevé scénaristiquement. Allez vous faire foutre. Pardon. Ils ont accepté les ressources de luxe crabe, du coup, j'ai plus de bonheur là, quoi. Ah merde, moi je suis dans le malheur aussi, mais. Et je disais, bon, il n'est pas très élevé scénaristiquement, hein, l'intrigue n'est pas très poussée, mais c'est du spectacle, hein. Clairement, vous allez le voir, c'est pour, avec vos petites lunettes 3D, là, c'est juste pour ça. Hein. Sinon, je vois pas vraiment l'intérêt, quoi. Vu qu'il y en a déjà eu 50 000 des films Godzilla. Bref, ceci n'est qu'un avis. Ok, j'ai mon petit avion, bombardement, puissance de combat contre le... Non, siège. C'est un bombardier, puissance de guerre contre les unités blindées. Non, je m'en fous, portée plus 2. Général illustre à Truro. Ah merde, ouais. Attends, comment on fait? Réaffecter, si. À la haie, et on verra si on peut toucher Suho d'ici. Ah, mais d'accord, mais... Oui, d'accord.
la résistance s'organise. Oh, cette musique. À chaque fois, je le dis, mais cette musique est vraiment jolie. Et à chaque fois, je me dis, oui, je vais télécharger la soundtrack. Et je le fais jamais. L'Arabie, Maya, Mongolie, Japon, Aztèque et Portugal. Pardon, je m'excuse. Bon alors là, qu'est-ce que je fais? Oh, je peux pas les viser. Ils ont ramené des fusiliers. Bah écoute, ils ont ramené quoi? Des fusiliers. Ah non, ah, wow. Ils ont ramené des fusiliers. Ah ouais, ils ont ramené une armée. Ouais, voilà, c'est lequel le dire. Ouais. Mais t'inquiète pas, j'ai ramené des bombardiers, on va se marrer. Oh, Sun Tzu, général illustre japonais. Ah, c'est bien, pour une fois, c'est respecté. C'est qui Sun Tzu? Ah, je ne connais pas, tiens. Mais moi aussi, j'en ai un, sauf que moi, c'est qui? Rommel. Ce nom te dit quelque chose ou pas? Du tout. Voilà, c'est pas ce que je dis. Commissariat, bon, ça, on s'en fout. Ah, bah écoute, moi, je vais refaire des bombardiers, hein, j'en ai besoin pour aller bombarder Sioux, là. Moi, des bombardiers, c'est ce que je suis en train d'essayer de produire. Il me faut des marines. Mais du coup, on pourra faire infanterie de la Grande Guerre, là. Ah, bah tiens, bah, c'est fini, on a terminé. Donc, on part sur quoi? Électro... Ah oui, non, attendez. J'avais regardé dans l'arbre des technologies, d'ailleurs, j'y retourne. Pour faire des marines, enfin, de l'infanterie, si vous préférez, il nous faut radio ou réfrigération. Tu préfères quoi? Moi, je suis parti sur On va commencer par la réfrigération. Ouais, exactement. On part sur réfrigération. Réfrigération. Oh lol, moi ça passe à 24 tours, toi ça passe à 8. Comment ça? Moi, je suis à 7 tours là pour réfrigération. Ah, je suis à 8. D'accord. J'ai 328 de science, qui n'est pas négligeable, hein, il faut le dire. Pas négligeable. Je vais essayer de développer Ramsey, moi. Ramsey. Tout à fait, là je développe le polder, ok, tout va bien. Donc, alors, embargo, ouais. Oh, j'ai verse. LOL! J'ai Vercingétorix, un général illustre. Et ben voilà! Vercingétorix. Ah merde! Un général illustre celte. Ah, écoute ça, NIF, donc recrue, ne peut pas voler de technologie au Japon. Nos recherches sont bien trop en avance, pardon, j'ai eu du mal, sur les leurs. D'accord, en fait, on n'est pas les pires, hein. Je me disais aussi pourquoi les Japonais me ramenaient encore des canons, tu sais. Et c'est quoi ça? Les barbares ont pillé la route commerciale établie. Oh, t'es sérieux? Bah non, moi les routes commerciales, j'abandonne l'idée. Hein. Pourtant, j'ai encore 6 sur 6 de routes commerciales. Comment t'expliques ça? Je sais pas. Les barbares sont teubés. Ouh, j'ai un hôpital prêt là. C'est bien ça. Bon, écoute, je te propose de passer le tour, très cher. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Voyons voir ce que les Japonais vont avoir à répondre. Allez. Ah, du coup, je vais pouvoir tester la puissance de mes bombardiers. Ah, ils m'ont fait très mal. Ah, mais non, mais ils ont de l'infanterie, les salauds. Si, ils ont l'infanterie. Ah, ils m'ont bousillé 2 unités déjà, donc ça va être très compliqué, ça. En fait, ça va pas être simple. Heureusement que j'ai pas tenté de siège comme ça, direct. Attendez. Ah, je déteste quand ça fait ça. Polder. Ouh, j'ai... Putain, ça me rapporte de l'or, les polders aussi. C'est étrange, ça. Donc, est-ce que mon bombardier... Interception par avion de chasse ou augmentation des dégâts par les unités. Dégâts approximatifs prévus. Bonus. Tiens, j'ai découvert Bèche Balik. Bèche Balik. Mince, mon bombardier est pas assez près. Il me faut une autre ville. Ok, mon bombardier est inutile. Du coup, je vais aller défoncer les... Oh, ils sont encore avec des archers. Il faut que je me fasse une ville. C'est impératif. Il faut que je fasse une autre ville. Ici, en plus pour avoir le pétrole offshore.
Je leur bousiller leur canon. Voilà. Ah, essaie d'attaquer Uxmal. Enfin, d'abord attaque la mitrailleuse Gatling qui est derrière toi avec la Tala Gatling. Ah, et après on va pouvoir s'occuper sérieusement d'Uxmal. C'est trop loin, c'est trop loin. Bah t'es à côté, ah, t'es la non, case pardon, à côté. Non pardon, je me suis trompé. Tu parlais, moi je parlais des Japonais. Je me fais un peu défoncer là parce qu'ils ont ramené pas mal de mecs. Ils ont ramené du lourd. Ce serait cool des si. Des sacs. Si les Portugais. Attends, je vais retester. On va faire ça. Lisbonne, bonjour, je vous souhaite bonne chance pour cette guerre. Ouais, non, mais ce serait cool. Attends, regarde, on va discuter. C'est quoi discuter? Déclarons-nous la guerre à. Signer une déclaration d'amitié. C'est pas Cal et Gajamada. Signe une déclaration d'amitié si tu veux, on s'en fout. Ouais, vas-y. Je crains que cela ne soit pas dans l'intérêt de mon empire. Je dois refuser. Tu te fous de moi ou quoi? Nous en avons déjà discuté, la réponse est non. Mais putain! Je te hais! Je comprends pas, moi. Ils ont des unités de fou et on peut pas leur voler. Attends, je vais essayer d'échanger alors. Il faudrait des perles et de l'ivoire. Et de la fourrure même. Et de la teinte. En fait, ok, toutes les ressources que j'ai, toutes les ressources qu'elle a, je les ai pas. Et toutes les ressources que j'ai, elle les a pas. Donc c'est parfait. Ah, mais non, mais c'est à 1. C'est-à-dire que je peux pas, moi, échanger. Et si je lui échange du pétrole, par exemple? Ah non, le pétrole c'est une ressource stratégique. Mais c'est pas grave. Donc elle va pas te proposer une ressource de luxe en échange d'une ressource stratégique. Non mais ah, attends, on va voir. Non, pas 5. Oh. 3 contre par exemple de la fourrure. Non. 25 corps par tour, tu m'as vu ou quoi, non? Oh, j'ai réussi à lui subtiliser des baleines comme ça à ta marée première. J'ai échangé 5 pétrole contre des baleines. Oh, ok, putain, mais ces IA elles sont vraiment connes. Ouais, ouais, c'est vraiment con, ouais. Ah non, mais sérieux, mais attends, mais je me fais escroquer, en plus elle est pas d'accord. Oh là 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 là. Ah non, mais là, le monde ne tourne plus rond, écoute. J'avais des fourrures ou pas, moi? Je ne sais absolument pas. Sauf que là, j'ai peur des Japonais qui vont venir et qui vont me défoncer. Mais vraiment, il faut que... Ah oui, attends, donc là, on s'occupe de quoi? Tu veux que je... Au niveau d'Uxmal, tu voulais que je tire sur qui? Ta Gatling, tire sur la Gatling en face. D'accord. Attends, je peux l'améliorer. Défense plus 33% contre les unités à distance, c'est bien ça? Ou barrage? Je sais pas. Non, je vais prendre barrage, attends. Ouais, mais je l'ai pas détruite, la Gatling. T'inquiète, j'ai une cavalerie derrière qui va s'en occuper. Putain, mon bombardier, mais il est inutile, résultat. C'est quoi ça, caravane? Ouais, laisse tomber, ils ont une caravane Maya, tant mieux pour eux. Hein. Ouais, bah ouais, carrément. C'est cool, au prochain tour, je vais pouvoir commencer à canonner Uxmal. Dans 3 tours, je vais pouvoir avoir les bombardiers qui vont rapiquer depuis Pézance. Ah putain, mais là, par contre, je suis... Ouais. Les Japonais, j'espère qu'ils... Enfin, il me faut de l'infanterie, quoi, c'est... Sauf que pareil, il me faut... Moi, il me faut de l'argent, c'est tout. Je comprends pas. On va faire des banques et des bourses dans toutes mes villes. Ils m'ont dit qu'on est... Ils disent qu'on est, on est plus en avance, et pourtant... ils ont de l'infanterie avant nous, quoi. Ouais, 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 mais c'est les IA, ça. Ils produisent des unités sans avoir les technologies. Ah, d'accord. C'est possible, ça? Oui. D'accord. C'est bien ce qui me semblait. Les grands couillés de l'histoire. C'est nous. Bah ici, écoute, je vais faire un petit bateau de pêche, un bateau atelier, voilà. Attention. Oh, mais t'as pris cher, Asuo. Bah oui, regarde ce qu'il ramène aussi. Les Japonais se réveillent. Ah bah là, ils font pas que se réveiller, hein. Ouais, j'avoue. Non, mais ils font style qu'ils sont libres. Mais tu vas voir, ils seront bientôt. Il est libre, Max. Putain. Ah, Nobugada complote contre Pascal. Et en plus, le japonais, il complote contre Pascal. Ça tombe bien. Eh ouais. Bon, allez. Ah, merde. Oula, il y a des. Oula. Allez, j'attaque. Moi, j'attaque Uxmal, hein.
ou leur fusilier, parce que j'ai que ça à foutre. Tu peux pas faire de, de bombardier, non? Je suis en train. Non, mais plus vite que ça. Hein, ah, mais... Hein. Yes, c'est bon, Uxmal, je commence à la faire tomber un petit peu. Tour prochain, j'aurai les bombardiers. Ok. Putain, je peux... j'ai plus rien à faire, moi. C'est chaud. Oh, ils ont des chemins de fer, là-haut. Va voir, va voir mon mec là-haut, tu verras, ils ont des chemins de fer entre Bechbalik et Kakaorum. Ou Karakorum. Putain, là ça commence à devenir chaud là. Ouais, et l'infanterie, elle est... c'est sévère l'infanterie. Hein. La cavalerie a été détruite. Hein. Allez hop, plus de camp barbare, maintenant il me faut un colon. Ouais, bon, ils m'ont repoussé les Japonais au final. Ah oui, oui, complètement. Mais j'ai bien les boules. Mais il me faut de l'infanterie, hein. Y a pas de secret, il me faut de l'infanterie. Et pour ça, il me faut la technologie. Mais pour ça, du coup, là, je crois que je suis pas bien préparé. Il faut que je reproduise des unités. Et là. Bah, quand même dire, en fait, bah, c'est pas trop le cas, quoi. Hein. En fait, je suis un peu dans le caca, quoi. Hein. Je pense que c'est je vais acheter un colon. Combien ça coûte? Ça coûte 2,580. Bah écoute, j'achète. Tant pis, au prochain tour, je vais installer une ville. Je suis obligé, comme ça, je pourrais mettre mes bombardiers. Et là, ce sera beaucoup plus utile. Bon, allez, tour suivant, moi, je suis déjà prêt. Hein. Robert. Oh, attends, je suis en train d'échanger un petit peu. Eh, Robert Michel, je suis déjà prêt, moi. Hein. Bah. Bah. Ah bah ici, je suis en train de me créer du bonheur, tu m'excuses. J'ai oublié de refaire mon bateau de pêche ici. Moi je suis pas trop dans le bonheur là également. C'est vrai que... Ah moi j'ai réussi à, avec des échanges divers et variés à monter à 5 de bonheur. J'aime bien le divers et varié, tu sais, tu sens bien déjà les échanges douteux de tu sais quelle marchandise. Oh je suis dans le bonheur. Qu'est-ce qui se passe? Enfin j'ai zéro. Alors qu'est-ce qui est mort? Qu'est-ce qui est vivant? Qu'est-ce que... Oh! Ah si. 3 unités! Allez, déplace-toi. Ah. Allez, le colon, tu peux le faire, vas-y, déplace-toi, voilà. Bouge ton gros cul. Oh, ah, monsieur Queen reçoit une promotion. Oh oui! Oui, je peux voler une technologie au Maya. Je prends quoi, la radio? Oh oui, carrément, ouais, prends la radio. J'ai l'électronique ou la dynamite sinon. Attends, fais pas de conneries. Attends, c'est où tu m'as dit quoi déjà? Radio ou... Alors, j'ai radio, dynamite ou électronique. Non, clairement, prends la radio. Dynamite? Attends, dynamite, c'est quoi, dynamite? Trop tard, radio pris. Mais putain, mais t'es... Non, je déconne. Non, je déconne, c'est bien. Genghis Khan est dans l'ère atomique. D'accord. Ah non, Genghis Khan. Oh, on s'en fout de Genghis Khan, il est à l'autre bout de la planète. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, le Genghis? Attends, ouais. Bon, bah moi, je continue d'attaquer Uxmal. Hein. Mais elle prend rien, c'est chou. J'ai plus d'unité. T'inquiète, regarde. Regarde mes canons, qu'est-ce qu'ils lui mettent à Uxmal. Ouais, enfin, on va pas tenir longtemps. Moi, j'ai plus d'unité déjà pour t'aider, donc... Tu vas débrouiller tout seul. Moi, tu vois, je dois... Ouais, défaite majeure là. Eh bah ouais, c'est la défaite majeure. Eh bah ouais, qu'est-ce que tu veux? C'est ça la défaite majeure. Il faut arriver à s'occuper des unités qu'il y a autour. Oh les barbares d'enculés de. Pardon, excusez-moi, ce n'était pas voulu, mais il y a des putains de barbares de merde à côté. Et ils vont venir me faire chier. Et évidemment, je vais rien pouvoir construire. Et toi? Un artiste illustre. Il me faudrait une unité, s'il vous plaît. Une unité développée. Hein. Bon, j'ai mon bombardier là. Qu'est-ce qui fait le bombardier là? Le bombardier va. Ils peuvent pas bombarder bien loin les bombardiers quand même. Je suis un peu déçu des bombardiers. De quoi? Faudrait que j'arrive à les envoyer sur Douglas, mes bombardiers, parlez bien. Ouais, éventuellement. Moi je vais construire une ville au prochain tour. Vous allez voir, ça va faire la différence. Et du coup. Tour de radiodiffusion. Ouais,
4 tours. C'est quoi ça? Il me faut plutôt de l'infanterie de guerre. La grande guerre, 3 tours sera déjà mieux que les trucs pourris qu'on a. Radio, des radios, magnagnagna, pourquoi je réécris dessus? Choisir une construction. Agroningue! Gueux de la mer! Ah tiens, j'avais même pas vu que j'avais ça. Bon, écoutez, gueux de la mer, c'est intéressant. Oh, monsieur Quinn est niveau 3, agent spécial. Monsieur Quinn. Bon, école publique, hein, il faut de la science. Hein. Y'a pas de miracle. On a découvert la radio grâce au Maya, ça c'est bon ça. Ouais, je te le fais pas dire. Ici, il me faut absolument plein de trucs là. Eh, Ramsey se développe pas trop mal, dis-moi. Ramsey, ouais, ça va, ça se développe. Et quoi. Au fait, niveau finance, ça va mieux? Non, moins 51. Ah, moi je gagne plus 150. Plus combien? 150. tu vas me financer, mon ami? Non, non, si je déconne. Ouah, wow, ils ont des missiles balistiques anti-aériens là, les Portugais. Ils ont des mitrailleuses aussi. Putain, alors là par contre. Ouais, mais Genghis Khan il est dans l'air atomique, hein, si tu veux, celui que bon, je suis en train d'explorer si on... là-bas, la Karakoram. Ouais. Si on veut jouer stratégique et logique, on va essayer de se faire un max ami avec les Portugais, puis après, quand on se sera un peu occupé du sud. Tu viendras avec moi dans le nord et on dégommera les Portugais. Non mais j'ai les Arabes moi à dégommer à côté. Oui mais justement on dégommera toute cette partie là puis on ira au nord. Bah, c'est comme ça que ça marche hein. Les coups de bip. Voilà. Vous avez compris. Tellement belle cette petite musique. Tu veux combien? Dis-moi, j'ai 800 d'or. Mais attention, je garde quand même contre les Japonais, on sait jamais. Non, non, garde ton or tant que ça me supprime pas. Ou au pire, je peux faire la paix avec les Japonais là. Mais non, faire la paix avec les Japonais revient à faire la paix avec les Mayas. T'es sûr? Oui, ils sont ensemble. On pourrait plutôt faire la paix avec. Ah non. Attends, c'est Gajamada et Pakal. Non, il faut. Ah oui, non, c'est japonais, ouais, tu peux faire la paix. Ouais, ouais, histoire de me réarmer un peu là. Bon, au final, les conflits restent assez stériles, mais bon, voilà. Hein. On n'a pas la technologie. Ils m'ont pris cork, hein. On n'a pas d'avance technologique. Cork, hein. Eh putain, mais les japonais complotent contre tout le monde, c'est chaud. Mais sérieux, il faudrait que je me fasse allier. Sincèrement, oh, je suis dans le malheur. Avec les Portugais, mais ils ont des conditions de merde. Bon, allez, c'est parti, on va faire la paix. Négocier la paix, hein. Alors, qu'est-ce que tu veux, Jangui? Je t'offre du cheval, allez, je t'offre du cheval. Proposé. Cela me convient. Ok, je lui ai offert des chevaux, il est content. Autre chose, va te faire voir. On a fait la paix. La paix est déclarée. Du coup, ce qui est parfait, c'est que je vais pouvoir m'installer juste là avec mon colon. Ah! Luxmal est dans le rouge. Ah merde, ça c'était pas prévu ça. De quoi? Gatling barbare, fusilier barbare. Bon, je vais me faire chourer un. Oh, ah oui, là tu vas te faire chourer un ouvrier, ouais. Un ou deux ouvriers même. Le problème c'est que j'ai pas les moyens de. Il faut que. Au prochain tour, Luxmal tombe. Okay. Bon, là il faut vraiment qu'on s'arme, mais réellement. Là, je te dis. Ah oui, non, mais là, c'est caserne et tout dans tous les sens, là. Là, je te dis, je me mets en mode bataille. Ok? Bataille. Qu'est-ce que c'est que la bataille? Eh ben, c'est la bataille. Ça fait juste 5 épisodes que moi j'y suis. Mais non, toi, tu te trompes. Tu te trompes complètement. Toi, tu dors. Tu sais rien. Vous allez vous soigner. Toi, tu vas faire quoi, toi? Tu vas faire. Non, c'était théâtre université. Là c'est que j'ai pas les moyens. Quoique je peux peut-être m'acheter une unité à Zupfen pour aller leur botter les fesses. Et je dis ça poliment, ouais. On est d'accord. Oh mais ça vaut une fortune. Oui. Attends. Est-ce que c'est simplement à Zupfen ou alors est-ce que c'est la même chose? Ah ouais non, c'est les mêmes prix partout. Ah je sais pas, ça aurait pu être différent. Est-ce que ça vaut le coup? Non, clairement pas. Je ne sais pas. Non, si j'arrive à. Oh, j'ai du fer en plus ici, putain, mais il faut que j'aille. Oh, j'ai de l'argent, sauf que l'argent. Mais ça, vraiment. Faut supprimer cette loi à la con sur l'argent. Hein.
L'argent, Je sais, mais on l'argent, n'a pas la pu faire de matière. proposition encore. Ouais, bah oui. Ah oui, mais ça c'est de ta faute, hein, de toute façon. Oh, c'est ma faute, le attends. Mec. Ah, attention, c'est, nous sommes en 1995. Un an avant ma naissance. Oh, moi je suis né depuis 10 ans déjà. Ouais, non, mais toi, c'est pas. Ça compte pas. Ouais. Moi je suis un vieux sac. Ouais. Le vieux tout court, faut voir. Peut-être les deux. Ah là là. Ah, 96. Bon. Je viens de passer à 1000, la barre des 1000. J'ai encore un architecte. Un architecte, c'est ça. Il peut pas faire un arche d'or, l'architecte, non? Une manufacture? Ouais, ok, tu sers à rien. Ah putain, ils m'ont niqué. Ma cavalerie. Ok, attends, ça, là j'ai plein de trucs. Nif a découvert qu'une armée japonaise accompagnée d'une escorte navale a mis les voiles pour une attaque surprise. Nous ne connaissons pas la civilisation cible. Bon, ça doit être contre les Allemands vu le nombre de civilisations. Enfin, qu'il y a. Je veux dire, ils complotent sur toutes les civilisations présentes alors. En secret contre vous. Bon, le japonais complote contre moi, mais je m'en fous. Ah, ça y est, les barbares veulent m'attaquer. Bon, bah, je recule mes ouvriers. Qu'est-ce que c'est ça? Une caravane! Mais oui, tu continues, voyons. Oh, attends, j'ai la possibilité de choper Uxmal. Je sais, c'est moi qui l'ai mis la possibilité, mais j'aimerais bien la choper moi-même, tu vois. Bah, qu'est-ce que je fais? J'attaque? Si tu pouvais. Franchement, tu peux me la. Je sais pas si tu peux me filer la ville après. Je sais pas, je pense pas. Wesh! Ah, bah t'en as pas eu besoin. Bah, génial, bah cool, bah moi j'attaque. Attaque les unités autour, ouais. Ouais, bah j'attaque l'infanterie. L'artillerie, je peux faire. Génial! Eh bah écoutez, c'est un. Maintenant. C'est un grand bravo. Nous avons réussi à capturer notre première ville. Ouais. Ah, j'ai récupéré une mosquée, un colisée, un caravansérail et une bibliothèque, s'il te plaît. Ah, on fait la paix maintenant avec les Mayas? Pour se réarmer? Ou pour se réarmer. Allez, carrément, ouais. Vas-y, je te laisse le faire. Pourquoi j'ai une musique hyper stressante qui se lance? Ok, bon. On va pouvoir se reconstruire. Bah, c'est ça, c'est un peu la technique des gros lâches hein, qu'on va oui, complètement, utiliser. Complètement, mais bon, complètement. Vu le retard technologique qu'on a par rapport aux IA, c'est pas égal, on est d'accord. Putain, on a fait là. J'aurais capturé une vie. On a réussi à capturer Uxmal, mon gars. Eh ouais. Mais regarde la vie de mon unité de cavalerie, s'il te plaît, quoi. Regarde sa vie. Oui, donc, je te la ressors. Ouais, hein. Regarde sa vie. Oui, oui, c'est normal. C'est normal. En Russie. C'est normal. C'est normal en Russie, bien sûr. Bon, j'ai intérêt de ramener les ouvriers, moi, là-haut. Et du coup, je vais avoir encore du pétrole. Ah, c'est bien, là, je commence à avoir un petit patrimoine assez intéressant, écoute. Et j'ai une usine bientôt prête, j'ai une grosse croissance. Alors, en termes de démographie, je crois que je suis repassé devant. Ouais, je suis premier. J'ai 28 millions de citoyens. Les Mayas, on leur a fait super mal, n'empêche, ils sont descendus à 881. Eh ouais. Toi, tu m'exploses, là, par contre. Ouais, mais c'est normal, je viens de capturer une ville. Putain, niveau par contre, ouais, c'est chaud. Vie est occupée, je suis passé à 6 de malheur, quoi. J'étais à 5 de bonheur. C'est la totale, quoi. Bon, dans un tour, j'ai. Bon, je vais pouvoir me concentrer un petit peu sur. J'ai de l'infanterie de la Grande Guerre. Sur le bonheur et tout ça, moi. Et essayer de remettre mes à flot. Me remettre à flot économiquement parlant, parce que même si ça m'a rapporté un paquet d'or, tu as 346 or. Alors. Bon, eh bien. Alors attends. Mon espionnage. Passez donc, le tour. Harun al-Rashid met une armée sur pied pour lancer une attaque surprise contre notre civilisation. A découvert que la rune Harun al-Rashid complote contre Théodora. Et a découvert à Besbalik que Genghis Khan complote en secret contre Mosek Muta. D'accord. Là, bon, ben moi je passe le tour. Hein. C'est bon ça. Là, je suis satisfait. Et on a fait la paix. Pouf. Moi aussi, je suis satisfait. J'ai perdu Kork, mais j'ai gagné Uxmal. Mais tu vas la reprendre, Kork, c'est pas grave. Les Japonais, on va se les faire aussi, t'inquiète. Ouais, mais on va se faire toute la carte, hein. On est parti, là. Les amis, à l'épisode... Pour l'épisode 250, l'un de tout play vous fera un striptease. Ouais.
Ouais. Eh non, j'ai cru. Vous avez rêvé ou quoi? Non. Enfin, j'aurais peut-être une webcam d'ici là, pourquoi pas. Ah, moi j'ai une caméra, ça tu pourrait peux, se ouais. faire. Ou non, mieux, à l'épisode 250, je viendrai Bordeaux filmer l'entouplé pour son. J'accepte. J'accepte la proposition. C'est enregistré. C'est enregistré, oui, mais. Oui. Alors, j'aime pas. Oula, qu'est-ce qui s'est passé là? Alors. Oh, c'est, oh, c'est bon, finalement, les Gatling, elles ont reculé. Là. Du coup, vous allez redescendre. J'ai rien à faire avec mes. J'ai trois ingénieurs illustres qui me servent à rien. Bon, allez, c'est parti pour plus de malheur. Du coup, moi j'ai des avions dans tous les sens. C'était cool. Alors, au prochain Unité tour. Unité promue. Au prochain tour. Bon, bah, ma Gatling, du coup, je peux la. Elle a même pas pris. Je vais la positionner à côté de Cork. Comme ça sera fait. Ouais. Ben moi pour l'instant je positionne plus mes trucs à côté de Tikal, tu vois, parce que je crains une invasion en prochaine. Ah, le japonais complote contre toi. Ah ouais? Ouais, c'est étonnant hein. C'est marrant. C'est étonnant. On s'y attendait ouais, pas. Ouais, c'est marrant. Non, du tout. Du tout, du tout, du tout. Université, allez. Une armée arabe est en marche contre une autre civilisation, je pense que c'est contre moi également. Je vais booster un peu la science là. Allez, Uxmal crie famine, tu m'étonnes, c'est le truc, il a tout un vrac. Tour de radiodiffusion, allez, je vais faire un tour de radiodiffusion, je vais en profiter. Je peux utiliser un ingénieur illustre pour faire ce genre de truc? Je pense, oui. Et pourquoi tu veux pas y aller, l'ingénieur, là? Oh. Tu sais pourquoi on a gagné, en fait? Parce qu'on les a affamés, à Uxmal. Ah. On a tellement tout pillé qu'ils étaient affamés. Ah, putain. Eh ben, tu vois, c'est ça, la technique. Ah, mais ça marche bien, hein. Allez, pourquoi tu veux pas aller dedans? T'as, parce que t'as un putain de. Allez, va dedans. Du coup, je vais arrêter de produire l'infanterie, moi. Voilà, comme ça, j'aurai que deux machins illustres. Toi, tu vas. Tu vis ta vie, le musicien illustre, je m'en fous. Tu fais ce que tu veux. Je vais pouvoir reconstruire les bâtiments que j'ai vendus à Truro. Bien. Allez, c'est parti. Tour suivant. C'est qui ça? C'est toi? De quoi? Ah ouais, c'est toi qui a un son pourri. Moi? Mmh. T'as détaloné un petit peu de ton micro, ça a fait un son chelou. Ah oui, là, je me gratte. Tu te grattes. Et tu te grattes quoi, au juste? Les pieds. Ah, 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 ah. Non, c'est vrai que ça gratte. Allez, va chier, c'est quoi cette Gatling barbare en bas? Ah, mais moi c'est au-dessus que cette Gatling barbare de merde, elle me fait chier. Bon, du coup, vous aussi, vous allez vers le sud. Cassez-vous vers le sud. Allez, c'est parti. Ah, 4 de malheur. Vous avez rien à foutre, résultat. La Gatling barbare n'a pas résisté longtemps. Alors, ils sont où les ouvriers que je rapplique là? Ah bah j'ai la tour de radiodiffusion, c'est cool ça. Oh, je peux faire un hôtel. Un stade. Oh oui, le stade ne peut pas fournir plus de points de bonheur que de citoyens dans une ville. La ville doit posséder un zoo. Oh putain, alors ça c'est bon, ça veut dire que ça me fournit autant de bonheur que j'ai de citoyens? Non, pas plus. Non, mais attends, on va tester ça, je vais... Oh putain, au prochain tour. Je vais utiliser mon deuxième architecte illustre, là. On prend quoi, les matières plastiques? Ouais, matières plastiques. Ouais, matières plastiques. Hop, ça se dit. Moi, je me lance sur la dynamite, elle est à 12 tours, la dynamite, je vais essayer de faire la dynamite. Non, matières plastiques, stop, il faut l'infanterie, là, si on veut se réarmer. Ah, ouais, ok. Allez, voilà, 8 tours, comme ça, c'est bon. Choisir ouais. La construction, qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que... Hôtel. Ouais, école publique.
Ouais, l'école publique, ça peut être pas mal. Ah, les stats, ça va faire du bien. Bon, ici, qu'est-ce qu'on fait? Monument historique, on s'en fout. Il faut un grenier au début, hein. N'oubliez pas, très chers amis, quand vous faites une ville, commencez par un grenier, hein. Pour favoriser la croissance, c'est très important. N'est-ce pas, Yanamu? Tout à fait. Ouais, là, je suis en train de redispatcher les citoyens. Je suis en train de redispatcher les citoyens de Xmal pour qu'ils arrêtent de perdre des citoyens, parce que là sinon c'était la mort, quoi. Le filet est passé de 8 à 5 citoyens en 3 tours. D'accord. Bah dis-moi, c'est intéressant. Ah là là. Wow. Parce que j'ai une gatling barbare. Hein? J'ai une gatling barbare qui est en train de m'arriver sur la gueule. D'accord. Mais attends, passe le tour. 2 secondes, là, ce serait cool. Ah, oh, quand je vais avoir le stade Amsterdam. Oh, et à non, tous c'est les un coups, port, en fait... Amsterdam, c'est dans le port d'Amsterdam. Non, mais... Les marins qui chantent. La 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 la. Attends, est-ce que. Parce que le stade, il y a écrit plus de bonheur et ne peut pas donner plus de bonheur que de citoyens. Attends, ça donne que 2 de bonheur ou ça donne beaucoup plus? Non, je sais que je suis pas très intelligent, hein, et quand même. Et des fois, c'est pas toujours très clair. Allez, complot contre Bismarck, Al-Waroun al-Rachir. Ah, bon. Désolé, moi, j'étais encore en train de me gratter. Oh. Allez, plateforme de pétrole. Mec, sans arrêt. Oh, j'aime me gratter, si tu savais. Et ils ont avancé, mais vous allez vous barrer direct parce que je ne vous accepte pas sur mon territoire. Hop. C'est peut-être pas très utile, je viens de gaspiller un ingénieur illustre, pardon, pas un architecte. Mais allez, crée un chef-d'œuvre. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas fait de chef-d'œuvre. Attention. Chute, silence. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça on s'en fout, on verra après. Ah, j'ai découvert le Kilimanjaro. Ziryab Lama Badayatatana. Pas mal. Belle petite mélodie. Je suis fan. Arnhem, non, pas en stade encore. J'ai découvert le mont Kilimanjaro, mon ami. Ah, pas mal. Toujours avec mon prophète là-haut. Hein. Ah, le prophète. Bon, je vais faire des stats un peu partout. Le prophète de la mort. Je vais faire des stats partout, ça va être cool ça. Parce qu'on aime les stades. On aime les stades. C'est toi le stade. Moi, dès que je suis de retour dans le bonheur. Attends, je rapproche déjà mon bombardier de Suho pour aller le démonter. Et pour aller démonter les Japonais. Mais le problème, c'est qu'ils ont des chasseurs aussi. Ah. Ils se défendent, les bougres. Ah ouais, ils se défendent bien. Ouais. Et ça passe le tour. Ah putain, mais c'est loin, ton Kilimangaro, là. C'est à perpète les olivettes, t'as pétaouchlock, que dis-je. Ouais. C'est à Karakorum. C'est un cap. C'est une péninsule. Barracuda. Mon dieu. Eh bien, écoute, je crois que c'est bon. Je passe le tour également. Ah, moi aussi, je pense. Et au prochain tour, attention, le stade. Va-t-on kiffer? Peut-être que mon niveau de bonheur va enfin connaître un seuil positif. Enfin, je dis ça. Quoique tout à l'heure, il était pas mal. J'ai hâte d'atteindre les matières plastiques. Quoi? Je suis encore dans le malheur, t'es sérieux? Mais oui, en fait, tu te fais couiller, hein. Ça te fait que 2 de bonheur, le stade. Ah. J'ai utilisé un ingénieur pour ça, quoi. Ok, je suis dégoûté. Non, mais je suis dégoûté. Y'a pas à dire, je suis dégoûté. Oh là! Qu'est-ce qui s'est passé, là? Y'a une guerre? Donc Théodora et Catherine, ils déclarent la guerre aux Japonais maintenant, eux. De qui? Ah, de qui? Bah, Catherine, c'est pas Lisbonne? Si. Ah, voilà, elle avait déclaré Catherine. La oh, génial! Attends, je vais m'incruster. Ah, je vais attendre qu'il se fasse bien défoncer.
et puis après je vais m'incruster. Attends, je vais voir s'ils attaquent Suho d'abord. Because I'm happy. It to me na 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 na. Because I'm happy. Got a long and gift to me. Je dis pas que j'aime cette chanson, mais c'est vrai qu'elle rentre dans la tête. Faut le dire. Elle rentre bien dans la tête même. Bon. Elle rentre très bien dans la tête. Maastricht. Comme ça j'ai une ville. Ah, oh, mais j'avais même pas tilté, j'ai créé Maastricht. Oh, mais ça c'est beau. Et je crois que j'ai adopté le Yanhanisme, il me semble. Cool. Dans toutes mes villes. Ah non, Amsterdam n'est pas converti. Ah ouais, ça va développer le Yanhanisme, moi. Ah, rire de dire ça, ça fait rire. Mais je... Pardon. Le mec. Mais non, t'es pas Yanhanisme, toi. Non. Confucianisme. Non, bah non, Yann. Rien du tout, t'es... T'es merdouillanisme, pardon, ouais, c'est tout ce que t'es, mon gars. Volant de bateau, je m'appelle. Je m'appelle Bar. Je suis adepte de la barre. Bon, allez, passe le tour, El Gringo. Bah attends, j'ai plein de trucs à faire, moi. Là, j'ai mes ouvriers qui se déplacent, etc. sur X-Mal, là, parce qu'il faut tout reconstruire. Hein. Faut tout bien mettre. Hein. Eh ouais, c'est vrai, je le confirme. Il va falloir que je fasse une route aussi à X-Mal. Bon, putain, on va s'arrêter là, comme ça. Non, on est parti, on joue là maintenant. Hop. Ah, t'es malade, eh, on s'arrête pas. Oh, tu baisses d'un ton, hein. Sinon, je te fais un rapport, hein. Non, mais oh. Au prochain tour, on s'arrête. Ok, nous sommes en 2001. Bacal a déclaré. Genghis Khan, Marie Première, déclaré la guerre à Bismarck. Ouais, bon, c'est la merde, hein. Ça commence à péter un câble. Un peu partout, ils en ont marre, hein. C'est. Bah oui, forcément, ils se font chier, ils servent à rien. Ils restent dans leur coin là, à l'autre bout de la planète. Et à côté l'arabe. De quoi? Et à côté l'arabe, l'Arabie et la Mongolie sont amis. D'accord. Et la Mongolie. Ouais. Ok. Bah écoute, c'est cool. Ah oh, bah tiens, ils ont déserté leur camp, les barbares, c'est fun ça. Ouais, ce sont les choses qui arrivent, ouais. Ils sont un petit peu stupides, hein? Oui, j'ai détruit un camp barbare. Oh bah un stade, hein, écoutez, il faut que je passe dans le bonheur, hein, je vais faire des stades partout. Ce serait bien qu'on entame une guerre dans le bonheur aussi. Éventuellement. Hein. Je dis ça, je dis rien, quoi, bon. J'ai découvert Nouveau Sarai. C'est bien ça, Caravan Sarai, je vais faire ça. Allez, tour suivant. Je vais déplacer mon... Attends, je déplace mon... Tour suivant, allez, ça va faire 45 minutes, ça va être encore une chier pour le plod. Et j'ai bientôt 2000 d'or, hein, quand même, hein. Je tiens à le préciser. Comme ça, je refais mes coffres avant la bataille finale. Voilà. Moi, de mon côté, je suis en train de redévelopper... 5 ou 6 épisodes là, et puis maintenant j'ai tout à faire, quoi. D'accord. Donc si je veux arriver à m'en sortir un minimum, j'ai intérêt de faire des banques, des universités, des moulins à eau, tu vois, ce genre de conneries. Ouais. Je suis d'accord. Complètement, ouais. Ouais, complètement, ouais. Ah, j'ai oublié de gérer les ouvriers à cause de toi. Ah bah putain, voilà, bah putain, bah voilà. Voilà, bah voilà, hein. Tu mérites un rapport. Ah, oh, j'ai gagné des pierres précieuses, j'avais pas vu. Il y avait ça. Ah oui, carrément. En plus, tu peux en échanger. Il faut d'abord que je les. Ah oui, que tu les répares. Remettre en place. Voilà, je les répare. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Marchand portugais, ok. Bon, ben voilà, si ça achève, hein, du coup. Hein. Ouais! Si tu veux, on refait encore un tour, hein. Attends. Ouais, on passe celui-là. D'accord. Je sais même pas ce que je chante en plus, hein. Because I'm happy. Oula. Stop. Qu'est-ce qu'il me fait, là? «
because I'm happy. Come along with Heave to me. Attends, on chante super bien l'anglais. Placement de produit là où je sais pas, copyright, mais on va se faire choper là, fais gaffe. Ah oui. On va se faire choper par le fisc de YouTube. Attention. Ah ouais, tout à fait. Ah là, ils font mal en plus. Hein. Attention. Anatomie. Qu'est-ce que je pourrais faire ici? Un archéologue. Pas encore un ouvrier disponible. Enfin, un archéologue, puisque j'ai que ça à faire. Ouais, moi je suis en train de faire des musées, des conneries dans le genre pour faire d'abord les archéologues. Bon, allez, on passe le tour et c'est bon, on s'arrête là parce que 45 minutes c'est beaucoup! C'est trop! Voilà! On peut monter jusqu'à une heure? Hein. Non. Ça suffit là. Hein? On s'est assez amusé. Le disque de l'homme te plaît. Va cracher. Non, pas du tout, mais bon, c'est si tu veux, pour le plot, ça va être galère quoi. Ah bah ouais, je sais, je connais, je te rassure. Oui, mais toi c'est pire en plus. Bah voilà, en plus toi c'est pire. Et oh là là, ça me dégoûte. Ouais, mais moi je compresse suffisamment mes vidéos pour que ce soit en 24 heures, ce soit hébergé quoi. Ah, même si tu compresses à mort, ça met 24 heures, tu sais. Mec, bon ben voilà. Tacal entre dans l'ère atomique. Bon ben voilà. Moi je dis ça, je dis rien. C'est hein, pas grave, mais... t'inquiète, on va le rattraper. Regarde à la vitesse où on avance. Mais... Oui. Bon, eh bien écoutez, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, un petit commentaire. Et surtout, oui voilà, plein de j'aime pour la capture d'Uxmal. Hein. Surtout. Tout à fait, plein de j'aime pour la capture d'Uxmal. N'hésitez pas également à nous envoyer l'original de Be Happy pour qu'on puisse enfin la prendre. Non, j'avais de la vie, c'est bon, je suis capable de la retrouver, je crois. Voilà un petit hashtag Pharrell William, je crois qu'il s'appelle Pharrell ce mec. William, c'est exactement ça. Voilà. Et puis sinon chez moi il fait beau et toi? Bah en fait il faisait très beau et maintenant c'est gris. Voilà. Oh. Ah, attends, il fait donc il gris à Bordeaux. Bordeaux est à 3 heures de route, à peu près 2 heures de nuage, donc chez moi il va pleuvoir demain. Ok, je te remercie. Je vais me déprimer pour le reste de la soirée. Il va pleuvoir aussi. Hein. Allez, je vous remercie à tous les gens, donc n'hésitez pas bien entendu à laisser des pouces verts, des commentaires, des pouces pas verts, ce que vous voulez en dessous de la vidéo. Exactement. Et pour ma part, je vous dis ciao. Ah, putain, mes oreilles. Oui. Allez, salut.